Alors, donc du coup, je suis là. Le combat du tuer une orbe de diable, mais ceci. Ah non, voilà. On lançait une plateforme au milieu d'une rivière de lave. C'est ce que je viens de dépasser comme un sac. Donc du coup, on va utiliser la main. Enfin, on va soit attendre, soit utiliser la main pour atteindre la plateforme qui est juste là. Voilà. Donc là, repos. Mon sac est trop lourd. J'ai du mal à le porter. Voilà. On annule. Alors, la main. Main démoniaque. Allez. Alors, voilà. On se remet. Alors, attendez, on m'a dit, voilà, à un certain moment. Voilà. Donc ensuite, on va combattre le veilleur. Je vois juste une petite potion. Histoire de me dire, is ok. Alors. Voilà. Donc on doit combattre tout ça. Est-ce que j'ai envie de combattre tout ça? Sûrement pas. Je pense que vous doutez que je n'ai pas envie. Voilà, donc j'ai tout ça à combattre, hein. Je vous assure que j'ai pas envie. Voilà. C'est quoi ça? C'est marrant, c'est un petit bug ça. C'est marrant ce petit bug. Voilà, donc. Ouais, je vais quand même tester, hein. Mais j'ai juste pas envie. Ah bah si, ça va en fait. On va quand même profiter pour en tuer 2-3. Mais bon, là ça va. Je le prends quasiment. Franchement là ça va. Je le dis. C'est bon, je peux vous dire à quel point ils sont nuls, c'est 12 points d'XP par personne. Petite sauvegarde. Ouais, c'est sûr que si je peux attaquer, je peux rien foutre. C'est vraiment une scène de bataille incroyable. Hein. Juste une petite potion. C'est juste une sauvegarde, voilà. Et ensuite, on m'a dit que c'est le veilleur. Je crois que c'est lui. Donc on va combattre le veilleur. On va déjà voir comment il est. Hein? S'il est aussi fort que ça. Ah déjà j'aime pas ça. J'aime pas cette aura. Donc très très vite, je sens l'aura de terreur et j'ai perdu. C'est même pas une aura de terreur, c'est juste un malus à la con. Et je lui mets aucun dégât, c'est bon. Ah si, à peine blessé. Petit sort. Ok, ah il se téléporte. Ok, bon il se téléporte. C'est une information à prendre en compte. Donc ouais, le veilleur, putain, oui, mais si, d'accord, mais moi je peux rien faire. Regardez comment je ne vais pas vite. Excuse-moi.
Ah, excuse-moi, je... Bon, il est long. Allez, ça dégage. Je prends ceci, ce message. Voilà. Je prends cette vieille bâtarde, non identifiée, mais qui est beaucoup trop lourde. De manière à encore être plus lourde. Et comme j'ai le temps d'ouvrir, je vais l'analyser avec une potion que je vais retrouver ici dans peu de temps. Pensons de savoir utiliser. Utiliser sur l'épée de bâtard. Souffle. Je prends, j'équipe tout de suite sur la buveuse d'armes. Parfait. Bon, alors du coup j'ai ça. Ensuite, il faut que. Alors, utilisez ma main sur le support nord-est. Ok, nord-est de la carte. Donc il faut aller par là-bas. Je vais peut-être me débarrasser de mon ancienne arme. Que pensez-vous de cette idée? Voilà. Et on va utiliser la main. On avance, hein. Moi je vous le dis, on avance. Hein. Puis on a une arme. Alors. On avance tranquille. Ah mon dieu, une catapulte. Mais comment vais-je faire? Ah là là. Vite, je vais utiliser le pouvoir. Mais là je suis en automatique. Je prends la catapulte. Tu vois. On sait catapulte par-dessus la lave. Cinématique. Peut-être une cinématique. Bon, et donc du coup là j'ai cimetière dans la machine de guerre. Ouais, j'ai cru que j'étais bloqué. Donc du coup maintenant je sais pas où je vais. Si, il y a l'oracle des noms qui va se trouver quelque part, par là maintenant. On va se rendre au milieu tout au nord. Ouais. À moins que je vais aller de l'autre côté. Je vous ai dit que là je sais pas où je vais. Je pense que ça doit se voir. Si ça se voit trop, vous me le dites et puis je change de stratégie. Ah bah oui, et en effet que je savais pas où j'allais. Ouais, support. Non. Mon sac est trop lourd. J'ai du mal à le porter. Non. Allez, on se dépêche. Allez, on y va. Ah, et donc voilà les heures. Donc la catapulte, elle est là. Regardez bien. Faut utiliser sur la 7ème heure. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Va bien faire le tour. Est-ce qu'il va bien faire le tour? Oui. Et donc du coup là on utilise. On utilise. Punaise.
Allez. Je suis sur la 7ème heure. Oh, c'est énervant ça. Non, c'est pas là. Ah non, c'est vraiment tout au nord. Genre, j'avais vraiment pas le choix. Excusez-moi. Oui. Alors, c'est là que l'oracle des noms a été banni. Faites attention. D'accord. Ah bah oui. Les flèches, lol. Tourner la catapulte dans le sens des aiguilles d'une montre. Tourner. Non, l'autre sens. Voilà. Utiliser la catapulte. Et donc là, est-ce que c'est la bonne? Je crois que non. Quoique si. Ah non. C'était... Bah, si. Ah non, non, c'était juste pas ça. Bon, bah, petit combat. Je me suis trompé. C'est ma faute. Voilà, non mais c'est ma faute, hein. Je me suis trompé, ouais j'ai pas suivi la flèche. Donc. Hop là. Petit catapulte. Donc là, c'était pas le bon. C'était un tout petit peu plus à droite. Bon bah je vais me dépêcher de le tuer alors. Voilà. Catapulte. Voilà. Cette fois c'est la bonne. Donc là normalement c'est la bonne. Gagné. Voilà. Voilà voilà. Bonjour. Pas trop tôt. Hein, j'en avais un peu marre. Alors, l'oracle. Merci, Elvelar de la beauté, espoir de Cania pour ma libération. J'ai longtemps attendu de... Elvelar de la beauté, espoir de Cania. Waouh. Je souhaite connaître un autre nom, celui du faucheur. Waouh, je vais donner tout ça. Ce nom... oui, je veux le nom de Mephistopheles. Je veux le mien aussi. Elbar et l'âme. Ok, ça c'est bon. Celui de l'oracle, ok. Non. Celui de l'oracle des noms, je suis sur Mephisto. Je veux celui de Mephisto. Ah d'accord. $300,000, bordel de merde. Alors, oui, c'est le vrai nom du faucheur. Ok, j'ai le vrai nom du faucheur et c'est une juste. Bon alors je vais retourner à la cité de Cania. C'est qui part. Et là on va enchaîner sur la dernière partie. La toute dernière partie.
Putain, je suis revenu d'entre les morts, trop bien. Yes, du coup. Trop bien, c'est vrai que j'étais passé par là au départ. Quoi que tu attends, je vais me reposer au départ. Alors, on me dit que en fonction des noms que je sais et de mon alignement, il se passe des choses. Faites vos courses et dépensez ce qui vous reste en or. Parfait. Donc du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais revendre tout mon merdier. Je vais essayer de passer à un endroit où on peut m'enlever ces malédictions de merde pour que ça aille mieux. Donc là, c'est vraiment la toute dernière partie et ça va être plus ou moins... Non, ça va, ça devrait aller. De toute façon, on triche. Voilà. Tout, retenez juste ça. Donc, première chose à faire, c'est d'aller dans un temple pour aller mieux. Ah, faut que je retourne au... Ouais, c'est ça. Puis on va prendre le petit raccourci. Donc, normalement, là, on peut revendre tout le bordel, tout ce qu'on possède en trop, pour ceux que ça intéresse, en fonction des noms. Techniquement, là, j'aurais pu avoir accès à un nom, mais j'ai celui du dormeur, enfin, du faucheur, plutôt. Donc c'est celui qu'il me faut surtout. C'est le premier qu'il faut demander. Si vous demandez celui de Mephisto, on vous répondra ah, je ne peux pas parce que Mephisto il est trop fort et donc du coup bah, je peux pas. Donc on va retourner à la porte vers le faucheur et on va être parti pour la fin. Alors vers le corps de garde. Il aura été très long chapitre quand même. C'est quoi ça? Bassin des âmes perdues. Oh, plonger la main. Oh oui, des choses que je demande. Alors ça, j'en ai plus besoin. 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 Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. 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 Je garde. Je m'en fous. Antidote, faudrait que je teste. Potion de savoir, j'en me sers plus. Potion de clarté, ça ne me servira plus. Ça, je m'en fous. Ça ne me sert pas. C'est quoi? Alors ça, je l'ai pas lu. Je l'ai lu en travers. Ça, je m'en fous. J'en aurais plus besoin. J'en aurais plus besoin. J'en aurais plus besoin. J'en aurais plus besoin. Plus besoin. Plus besoin. Parfait. Pareil. Pareil. Je pense que là je suis bien, je suis à 6 de poids, un très très léger malus. Dormeur, Dikin, bon Dikin, rien à foutre. À nous deux. Faucheur. Gloire aux morts, comment puis-je vous servir? Et puis on va faire ça, et puis on va faire ça, et puis voilà. Ah. Ok.
Très bien. Et bien dans ce cas, au revoir Faucheur. Au revoir. C'était très très cool que de t'avoir connu. Je vérifie juste une chose. Ok, c'est bon. Donc là, on est parti pour... Excusez-moi. Le monde des vivants est derrière ce portail. Mes échecs. On y va. On y va et on va finir ce jeu. Enfin. Alors, téléporté. C'est parti. Allez, on y croit. J'y crois à mort. Nous sommes les 5000 pièces d'or qu'on avait promises. Nous sommes les 5000 balles que tu me demandes, bordel. Oh, c'est rouge, c'est dégueulasse. J'ai lancé un sort ou je rêve? Ah non. La lave, ok. À nous deux. Ah oui. Ah, vous revenez, créature. Imaginez ma surprise de vous voir ici. Ceci pour me stopper. Échec, ta mère. Vous ne pourrez pas m'arrêter. Adieu, Arimes. Voilà. Arimes, grosse conne. Allez. Attends, on combat le démon. On essaye de lui faire du mal. Je n'ai plus mes potions, ce qui fait que c'est un petit peu énervant. Pourquoi je n'ai plus mes potions? On va créer une zone d'anti-magie. Si je peux l'utiliser. D'accord. Je suis donc mort. Très bien. Très très bien. Très superbement bien. Merci Arribes de Timor, tu m'as vraiment aidé. Non, moi tu sais quoi, Mephisto dit, allez. Arribes, si tu meurs et Mephisto, moi même, je vais même pas avoir de combat de fin, je veux juste que tu dégages. Je ne peux pas. Très bien, je ne peux pas. Je peux pas le tuer. Ok, on va faire autrement. Il est passé où ma save? Où est passé mon autosave? Là. Normalement, elle est là. Yes, gardez. Du coup, je vais skipper jusqu'à ce que Arribes arrête de me casser les couilles.